Comment faire de bonnes madeleines avec une jolie bosse, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « Je m'abonne » juste en dessous et à activer les notifications pour recevoir notre vidéo tous les jours sur votre téléphone. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour faire vos madeleines. On va tout de suite commencer. Dans ce petit cul de poule là, j'ai ma farine. Je vais y ajouter le sucre et la levure chimique. Et je vais déjà venir mélanger tout ça. Juste brièvement, ça va m'éviter de tamiser. Ensuite, en parallèle, je vais mettre mes œufs. Hop. Donc tous mes œufs que j'ai préalablement pesés, parce que ça ne fait pas un œuf parfaitement entier. Et je vais y ajouter donc mon mélange de poudre. Et je vais battre tout ça gentiment, juste histoire de mélanger bien toute cette pâte. Donc ensuite, je vais venir prendre mon beurre fondu. Mon beurre fondu, il ne faut pas qu'il soit trop froid, sinon il va refiger dans toute cette matière qui est froide. Et du coup, je vais avoir un côté vraiment granuleux et pas une texture optimale. Au contraire, il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus, sinon il va commencer à activer ma levure chimique et mes madeleines vont commencer à pousser avant même d'atteindre le four. Donc je dois être aux alentours de 40 à 50 degrés, mais pas plus. Et je mélange jusqu'à avoir une texture bien homogène. Et donc voilà, pas besoin de fouetter beaucoup plus longtemps, on est prêt. Ok, ensuite j'ai mis mon appareil à madeleine dans une poche et je vais venir donc du coup pocher les madeleines dans mon moule. Je vais venir bien les remplir. Je me laisse 2-3 mm de marge en haut. Et ensuite ça part au four, première cuisson 5 minutes à 230 et ensuite je laisse 7 minutes à four éteint dans mon four toujours pour avoir cette belle bosse. Si jamais utiliser des moules en métal, il faudra peut-être qu'on revoie un tout petit peu les temps de température.